Bonjour bonjour and welcome to Easy French Learning. Today's lesson is an important one because we will continue learning the greetings essential that will help you to increase the French vocabulary as well. Let's start. Commençons. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Good morning, how are you today? One small note on bonjour, and remember that bonjour can be said at any time during the day, and it can mean good morning, hello, and it can be said at any time. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais, je vais très, Bien merci et vous. Let's repeat. Je vais je vais très bien. Je vais très bien. Merci et vous. Je vais très bien. Merci et vous. It means I'm doing but we all know that Is the verb aller. So literally it means I'm going well. But of course in English we say I am doing very well. Thank you and you. Je vais très bien. Merci et vous. Another way of greeting someone you would say Salut. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Let's repeat. Salut. Comment ça va aujourd'hui? It means hello, how are you today? Let's remember that salut is used when you know someone well and you are familiar with. Bonjour is more general and more official. So you would say bonjour when you don't know the person. However, if you know the person and you are familiar with, like a friend, and you would say salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ça va bien. Merci d'avoir demandé. Ça va bien. Let's repeat. Ça va bien. Merci d'avoir demandé. It means all is good, all is well. Thanks for asking. Ça va bien. Merci d'avoir demandé. Je ne me. Je ne me. Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas. Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. It means I don't feel very well. Je ne me sens pas très bien and you will hear the French saying je ne me sens pas très bien. 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 Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? It means what is your name? Or comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Let's remember that the verb appeler is to call. It means how are you called. But of course, we say in English what is your name? Comment tu t'appelles? Je suis, it means I am or je m'appelle, I am called. My name is Pierre. Et vous? Je suis, je m'appelle Pierre et vous? Je suis or je m'appelle Pierre et vous. It means I am or my name is Pierre and you? Peux-tu, peux-tu répéter ton prénom? Peux-tu or tu peux répéter ton prénom? Peux-tu Or tu peux répéter ton prénom? It means can you repeat your first name? Peux-tu répéter ton prénom? Bien sûr. Bien sûr, c'est Julie. And we don't pronounce the T in c'est. Bien sûr, c'est Julie. Julie. Bien sûr, c'est Julie. Of course, it is Julie. Quel est quel est and we do the link quel est votre nom de famille quel est votre nom de famille let's repeat together quel est votre nom de famille quel est votre nom de famille what is your family or what is your surname quel est votre nom de famille mon nom de famille est dubois mon nom de famille est Dubois. Mon nom de famille est Dubois. It means my family or my surname is Dubois. Quel est, and with the link of course, quelle est votre adresse postale? Quel est, quelle est votre adresse, votre adresse? Quelle est votre adresse postale? What is your postal or mailing address? Quelle est votre adresse postale? Mon adresse, and of course we do the link. Mon adresse est, for example, 15 rue de l'Opéra, 75 009 Paris. Let's repeat. Mon adresse est, for example, 15 rue de l'Opéra. 75 009 Paris. Mon adresse est 15 rue de l'Opéra 75 009 Paris. And you can say, of course, my address is 15 rue de l'Opéra 75 009 Paris, for example. Vos coordonnées personnelles, s'il vous plaît. Vos coordonnées, vos coordonnées personnelles. S'il vous plaît vos coordonnées personnelles s'il vous plaît It means your personal contact details please vos coordonnées personnelles s'il vous plaît Quelle est votre adresse and with the link Quelle est votre adresse email Quelle est votre adresse email Quelle est votre adresse email? Email. What is your email address? Quelle est votre adresse email? Mon email, mon email, c'est le. And you can give your email, of course. Mon email, c'est le. Mon email, c'est le. And my email is, of course, in English. Mon email, c'est le. C'est quand? And we don't pronounce the C'est quand votre anniversaire? And we do the link. C'est quand votre anniversaire? C'est quand votre anniversaire? But with the link. C'est quand votre anniversaire? When is your birthday? C'est quand votre anniversaire? Mon anniversaire, mon anniversaire but with the link. Mon anniversaire est le 5 mars for example. Mon anniversaire est le 5 mars. It means my birthday is on March 5th, for example. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Let's repeat. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? What is your date of birth? Quelle est votre date? de naissance. Je suis né en 1992. Let's repeat. Je suis né, je suis né en 1992. And here, if for a masculine, you use only n and e accent aigu. However, if it's a feminine a person talking, you would say je suis né, and vous will write. N accent aigu e représente le feminine noun, a person. Je suis né en 1992. I was born in 1992, for example. Quel est, votre, numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? What is your phone number? Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est le 06 This is for a mobile number in France. 06 35 53 48 22. Let's repeat. Mon numéro de téléphone for example est le 06 06 35 53 48 22 And of course you can give your phone number. My phone number is Êtes-vous mineur ou majeur Êtes-vous mineur Êtes-vous mineur ou majeur Êtes-vous mineur ou majeur Are you a minor or an adult Êtes-vous mineur ou majeur. Je suis encore, with the dealing, je suis encore mineur. J'ai 17 ans. Let's repeat. Je suis encore mineur. J'ai 17 ans. It means I'm still a minor. I am 17 years old, for example. Je suis encore mineur. J'ai 17 ans. Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Where do you live? Où habites-tu? J'habite à Bordeaux. If you live in Bordeaux. J'habite à Bordeaux. J'habite à Bordeaux. And we don't pronounce the X. I live in Bordeaux. J'habite à Bordeaux. Habitez-vous loin d'ici? Habitez-vous loin? Let's repeat. Habitez-vous loin d'ici? Habitez-vous loin d'ici? It means, do you live far from here? Habitez-vous loin d'ici? And remember, vous is used when we are addressing the uh, speech or the talk to someone that you don't know in a formal way, otherwise, if you know the person well, you would say tu. Habitez-vous loin d'ici? Or, you could say Tu habites loin d'ici if you know the person. Non, j'habite au coin de la rue. Non, j'habite au coin de la rue. J'habite, j'habite au coin de la rue. Non, j'habite au coin de la rue. It means non, I live just around the corner. Non, j'habite au coin de la rue. As-tu visité le musée de Louvre? As-tu visité? As-tu visité le musée de Louvre? As-tu visité le musée du Louvre? Have you visited or have you been to the Louvre museum? As-tu visité le musée de Louvre? J'ai visité le musée. De Louvre il y a cinq ans. For example, of course. Let's repeat. J'ai visité le musée de Louvre il y a cinq ans. J'ai visité le musée du Louvre il y a cinq ans. It means I visited the Louvre Museum five years ago. J'ai visité le musée du Louvre il y a cinq ans. Quels sont quels sont vos loisirs? Quels sont vos loisirs? Quels sont vos loisirs? Quels sont vos loisirs? It means what are your hobbies? Quels sont vos loisirs? J'aime la natation et le football. J'aime la natation. J'aime la natation et le Football. J'aime la natation et le football. It means I like swimming and football. And let's remember that "aimer" can have two meanings: to love someone or to like something. It depends on the context. However, here, in the terms of I like swimming and football. Quelle est votre chanson préférée? And "chanson" is feminine, so "préférée" takes un accent aigu e. Quelle est votre chanson préférée? Let's repeat. Quelle est votre chanson préférée? What is your favorite song? Quelle est votre chanson préférée? Ma chanson préférée est La vie en rose. It's a famous song for example. Ma chanson préférée Ma chanson préférée est la vie en rose. It means my favorite song is life in roses, literally. La vie en rose. Ma chanson préférée est la vie en rose. Êtes-vous étudiant ou travaillez-vous? Êtes-vous étudiant? Êtes-vous étudiant ou travaillez-vous? Êtes-vous étudiant ou travaillez-vous? It means are you a student or do you work? Êtes-vous étudiant ou travaillez-vous? Je suis étudiant. Je suis étudiant et je me spécialise dans les droits de l'homme je suis étudiant, Let's repeat. this is for example, je suis, je suis étudiant et je me spécialise dans les droits de l'homme. it means i am a student and i specialize in human rights. je suis étudiant et je me spécialise dans les droits de l'homme. en quelle classe es-tu? En quelle classe es-tu? En quelle classe es-tu? Let's repeat. En quelle classe es-tu? It means What grade are you in? Class means a class, but in English we ask What level or what grade are you in? En quelle classe es-tu? Je suis en primaire. Je suis en primaire. Je suis en primaire. It means I am in primary. Je suis en primaire. Je suis en secondaire. Je suis en secondaire. It means I am in secondary. Je suis en secondaire. Je suis en secondaire. Or, je suis à l'université. Je suis à l'université. Let's repeat. Je suis à l'université because we do the link we hear the, that sound. Je suis à l'université. It means I am in university. Je suis à l'université. Quelle est votre formation? Or it means as well domaine d'études. Quelle est, quelle est, quelle est votre formation? domaine d'étude quelle est votre formation domaine d'étude it means what is your field of study or what is your major quelle est votre formation or domaine d'étude je suis étudiant je suis étudiant en droit je suis je suis étudiant en droit it means i am a law student je suis étudiant en droit. Quelle est votre profession? Or, quel est votre métier? Quelle est votre profession? Or, quel est votre métier? It means what is your profession or what is your job? Quelle est votre profession? Quel est votre métier? Je travaille pour une, with the link, pour une société d'informatique je travaille pour une société d'informatique it means i work for an it company je travaille pour une société d'informatique de quel pays de quel pays êtes vous or d'où êtes vous de quel pays Un pays we don't prononce the s de quel pays Êtes-vous? Ou de quel pays es-tu? D'où êtes-vous? De quel pays êtes-vous? D'où êtes-vous? It means which country are you from, or it means where are you from. De quel pays êtes-vous? Je suis italien, for example. Je suis italien for a masculine person, or je suis italienne for a feminine person. Je suis italien it means i am italian i am from italy basically je suis italien as-tu des frères ou des sœurs as-tu des frères ou des sœurs as-tu des frères ou des sœurs and i will put in the description below as well how to pronounce the letters o e and u As-tu des frères ou des sœurs? Do you have any brothers or sisters? As-tu des frères ou des sœurs? J'ai un frère. J'ai un frère et une sœur. 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 Un It means I have one brother and one sister. Another way to ask combien de frères? Et sœur as-tu combien combien de frères et sœurs combien de frères et sœurs as-tu combien de frères et sœurs as-tu How many brothers and sisters do you have Combien de frères et sœurs as-tu Je n'ai qu'un frère Je n'ai qu'un frère It means I have only one brother je n'ai qu'un frère. Or, you can say, je n'ai qu'une sœur. It depends on the situation. Je n'ai qu'un frère. Êtes-vous marié? Marié, accent aigu, for a person you're speaking to who is a masculine. Et marié, accent aigu, for a feminine. Êtes-vous marié au célibataire? Êtes-vous marié au célibataire? Êtes-vous marié au célibataire? Are you married or single? Êtes-vous marié ou célibataire? Je ne suis ni marié, je ne suis ni marié ni célibataire. Je ne suis ni marié ni célibataire. Je ne suis ni marié ni célibataire. Je ne suis ni marié, ni célibataire. It means I'm neither married nor single je ne suis ni marié ni célibataire j'ai j'ai un petit copain j'ai un petit copain j'ai un petit copain j'ai une petite copine it means i have a boyfriend or i have a girlfriend j'ai un petit copain j'ai une petite copine i have a boyfriend or i have a girlfriend j'ai un petit copain. J'ai une petite copine. Je suis fiancé. Je suis fiancé. Again, the e at the end is to represent a feminine person. Je suis fiancé. Je suis fiancé. It means I am engaged. Je suis fiancé. Je suis veuf je suis veuf je suis veuf or je suis veuve je suis veuf or je suis veuve it means i am a widower or i am a widow je suis veuf je suis veuve avez-vous avez-vous des enfants avez-vous des enfants avez-vous des enfants, it means do you have children, do you have kids? Avez-vous des enfants? And with the link, enfants. J'ai un garçon et une fille. J'ai un garçon et une fille. It means I have a boy and a girl. J'ai un garçon et une fille. Tu aimes? Tu aimes? les animaux, or, aime-tu les animaux? tu aimes les animaux? tu aimes les animaux? and we do the link. and i will put as well in description below how to ask questions in french. there are four ways and you can learn it uh, in details. tu aimes les animaux or, aime-tu les animaux? do you like or do you love animals? j'adore les animaux. oui, j'adore les animaux. J'ai un grand chien. Let's repeat. Oui, j'adore les animaux. J'ai un grand chien. It means, yes, I love animals in that sense. But adore, adore, it means to adore. But in French, in a more emotional way, you would say, oui, j'adore les animaux. J'ai un grand chien. Yes, I love animals. I have a big dog. Et pas de chat? It means "un no cat Et pas de chat", "un no cat Et pas de chat", et pas de chat". Malheureusement non. Let's repeat it. Malheureusement non. It means "unfortunately not". Malheureusement non. Well this comes to the end of this video. I really hope you found it uh, useful. I know it was a bit long, but I hope it will help you to increase your French vocabulary especially on the French greetings. Merci merci. Don't forget to subscribe as usual to support me and to leave me any comment, any subject, any topic you would like me to work on and to present it to you. See you soon our next video. Thank you again. Merci. Au revoir thank you